Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog à Montréal, au Québec, au Canada. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite update parce que j'ai vu que sur Instagram, vous aviez été très nombreuses à me poser pas mal de questions. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Comme ça, je ferai une vidéo FAQ pour essayer de regrouper tous les thèmes possibles. Mais vous avez été nombreuses à me poser des questions sur ma télé. Oui, j'ai oublié d'en parler, je pense. Alors, on l'a acheté sur une sorte de magasin de déstockage que ma copine Julie, qui habite à Montréal mais qui est française aussi, m'a conseillé. C'est Oxbox, je crois. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. On a été acheter donc une télé pas très chère. Finalement, c'était une 55 cm pour, je crois, 280 € à peu près. Donc vraiment pas cher. Mais la première qu'on a achetée, elle ne marchait pas en fait. Dès qu'on l'a allumée, tout ça, au bout de 10 minutes de télé, il y avait un gros bruit, le son coupé. Et c'était obligatoire de l'éteindre en fait, donc on l'a ramené, ils nous l'ont échangé parce qu'ils ne remboursent pas, sinon je pense qu'on l'aurait fait rembourser et on serait parti ailleurs. Mais bah voilà, on l'a échangé, celle qu'on a du coup c'est la même, mais la deuxième, et elle marche plutôt bien, il n'y a pas de souci. Donc bon, croisons les doigts, c'est un site de déstockage, du coup la garantie elle est de 30 jours je crois, ou de 60 jours, mais c'est pas une grande garantie quoi, c'est pas comme dans les magasins ordinaires où vous avez une garantie de 2 ans. Donc, croisez les doigts pour nous, parce que peut-être que ce sera pas le top, mais bon, on verra. En tout cas, la deuxième marche très bien. Et vous avez été nombreux à me poser des questions sur ma voiture. Est-ce que c'est une voiture en leasing? Est-ce que c'est de l'occasion? Est-ce que c'est neuf? Non. Alors, je vous renvoie, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, la vidéo, je crois que c'était le vlog 2 sur la voiture. C'est une voiture qu'on a achetée d'occasion dans un garage ici, que nous avons achetée à distance, mais on avait un ami qui a pu la vérifier, venir l'essayer, voir si elle était nickel au niveau... de tout ce qui est aménagement à l'intérieur, si vous voyez les pneus étaient en bon état, etc. Parce que sachez qu'au Canada, il n'y a pas de contrôle technique. Du coup, si vous achetez d'occasion, parfois vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Donc nous, on a acheté voilà dans un garage, c'est une occasion, mais très très bonne occasion. On l'a acheté avec l'argent de la vente de nos voitures. On avait deux voitures en France, celle-ci qu'on a achetée ici, elle coûte le prix d'une de nos voitures. Donc voilà, le reste de l'argent a été... dans les dépenses nécessaires dans l'aménagement. Et voilà, il vous a été nombreuses à me demander aussi le budget. Alors ça, je vous ferai une vidéo je pense différente, mais oui, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo galère de l'expatriation, il faut un gros budget ici quand vous venez. De toute façon, ça vous coûte des sous, acheter tous vos meubles d'un coup, tout ça, ça coûte des sous, donc prévoyez un gros budget. Et j'ai eu pas mal de questions sur comment j'ai fait pour trouver mon poste ici. Eh bien, j'en ai un peu parlé dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle. J'essaierai de vous répertorier les vidéos dans la barre d'infos, mais j'ai postulé dans les commissions scolaires ici parce que c'est un peu l'équivalent des circonscriptions en France, mais c'est pas du tout... vous pouvez postuler dans chaque commission scolaire, et j'ai postulé via aussi le site Journée Québec qui se passe à Paris une fois par an, où vous pouvez postuler et avoir des entretiens à Paris. Donc voilà, je vous mettrai aussi les informations dans la barre d'infos, mais je ferai de toute façon une vidéo un petit peu plus détaillée si ça vous intéresse. Le programme du jour, maintenant que je vous ai un peu tout raconté, ce que j'avais un peu zappé, et puis les questions qui sont revenues quand même beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais aller à HomeSense, parce que j'aimerais bien aller trouver un tapis, si possible, pour mon salon, voir les tables basses. Alors, je ne crois pas qu'il y en ait à HomeSense, mais bon, si j'arrive à trouver un magasin où je peux aller zioter les tables basses. Et qu'est-ce qui nous manque? Un meuble télé aussi, qu'il faut qu'on fouine. On a du mal à trouver, puis le budget commence à vraiment diminuer, donc ça commence à être compliqué. Hier, on a acheté sur Marketplace une tondeuse à gazon, parce que ici c'est essentiel d'avoir un gazon bien tondu, sinon on peut avoir des amendes, surtout au niveau du devant. Donc on a fini par acheter une tondeuse à gazon pas très chère, en très bon état, à peu près à 50 €, je crois. Hein, ouais, ça nous revenait à peu près à 50 € une bonne tondeuse à gazon. Et qu'est-ce qui nous manque d'autre? J'aimerais bien aussi faire un tour dans la semaine à Ikea pour acheter 2-3 petites choses. Mais à voir, à voir, à voir, à voir. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Et aujourd'hui, rendez-vous important pour moi, j'ai rendez-vous à la banque pour ouvrir, finaliser mon ouverture de compte. Ici, j'ai choisi avec ma commission scolaire et avec pour les enseignants, ce qui était le plus valorisé, c'était la banque Desjardins. Donc on avait fait une préouverture via la France, et là on va finir aujourd'hui mon ouverture de compte cet après-midi. Donc j'ai hâte, parce que c'est à ce moment-là que je vais pouvoir avoir une carte de débit, qui est l'équivalent de votre carte de crédit en France en fait, de la carte Visa.
C'est juste qu'ici, il appelle bien la carte de débit. Et la carte de crédit, je l'aurai peut-être plus tard, c'est une carte vraiment de crédit. Vous avez une sorte d'enveloppe et que vous devez rembourser au bout de 21 jours, je crois, si je ne me trompe pas. Donc ça va être aussi dans la journée. Chérie, il l'a déjà eu la semaine dernière, mais moi, comme c'était un autre conseiller, il était en vacances, donc c'est aujourd'hui pour moi. Je vais aller voir les enfants et puis, let's go. Regardez tous les lip oils qu'on a trouvé pour 13$. Il y en a un paquet, hein, avec différentes odeurs, différents goûts. On a trouvé d'autres. Bah dis donc. Regardez-moi tous ces sirops différents. Non mais non, il est déjà caramel qui est là. Caramel, cheesecake, pumpkin spice, sirop d'érable. Enfin, je ne sais même pas lequel choisir parmi tout ça. Il y a des lunch bags version Guess, version plein de marques comme ça. C'est marrant. En version lunch bag pour le midi. Je le retrouve après avoir fait Winners. Il est plutôt pas mal le Winners qui est à côté de chez moi, donc c'est plutôt cool. On n'a pas trouvé grand chose d'intéressant pour la maison, mais on a une petite surprise. On a pris un pain, un croissant et une espèce de tarte aux noix de pécan. Et quand j'ai voulu donner ce billet là, le vendeur, il a pas voulu. Il m'a demandé un billet comme ça. Il a dit qu'il était trop vieux ce billet là et qu'il le prenait pas. Mais que je pouvais aller l'échanger à la banque. C'est la première fois que ça m'arrive ce genre de truc. Je sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais je sais pas si vous verrez la différence entre les deux billets. Bon, y a pas le côté transparent là dans l'ancien. Écoutez, je ferai échanger ou je le donnerai dans un autre magasin. On verra bien si ça passe. Mais moi, on me l'a donné. Hein, je l'ai pas récupéré à la banque comme ça. Donc j'ai dû l'avoir au magasin aussi. J'en sais rien. Bref, sinon, pas de trouvailles de folie pour la maison. Donc on verra très prochainement si on a le temps d'aller à Home Sense en fin de journée. Dans ma cuisine après ces 2 heures de rendez-vous chez le banquier, j'en ai mal à la tête, mais c'était très intéressant. Vraiment, je suis revenue rapidement. D'ailleurs, je me suis trompée dans les routes ici. J'arrive toujours à me tromper et à rajouter 10 minutes dans mon trajet. C'est un calvaire parce que des fois le GPS te dit tournez ici, mais en fait, c'est pas la première, c'est la deuxième, mais pas la troisième. Attention, hein. Entre les deux. Bon, c'est le début, c'est pour ça, mais voilà. Du coup, je suis rentrée ric-rac là à la maison et chérie avait un entretien
Vous êtes nombreux à me demander ce qu'il en est dans cet entretien. Pour l'instant, il a des super entretiens. Il a à chaque fois des deuxièmes, troisièmes entretiens. Donc, on attend de voir comment ça se finalise. Mais là, à cause de moi, il va pas arriver en retard, mais il va arriver, je pense, en mode stressé à cause de moi. Bon, bref. Mais un boulet, ouais. Karine, le boulet. D'ailleurs, vous m'avez posé aussi la question pour les frais de voiture. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que vous payez l'immatriculation de la voiture et ça coûte à peu près 2 000 $. Voilà pour l'information supplémentaire par rapport aux voitures. Là, je vais goûter, vu que maintenant je viens de rentrer, la fameuse tarte que j'ai prise tout à l'heure aux noix de pécan. Je vais tester et puis je vais me faire une pause de 5 minutes pour répondre à vos petits messages sur Insta et tout. Mais très intéressant ce rendez-vous en tout cas à la banque, c'est juste que c'est intense. Alors, il n'y a pas des bouchons, mais il y a quand même de la circulation. Et si vous vous trompez de route, bah voilà, vous êtes comme moi. Perdez du temps. Hein. J'ai perdu peut-être 15 minutes. Donc voilà. Sinon, je serais arrivée beaucoup plus tôt. Je vous montre un petit peu, regardez. C'est un peu de l'arnaque. Hein. Je pensais qu'il y avait des noix de pécan à l'intérieur, mais non. En fait, il y a toute une pâte comme ça. Et après, les noix de pécan, elles sont au-dessus. Bon, c'est plutôt bon, mais c'est très, très sucré. Mais c'est pas trop mal. C'est pas coup de cœur, mais c'est pas trop mal. J'ai reçu mon premier colis Amazon. C'est un colis pour la cuisine. Sachez que si vous devez transférer votre compte Amazon France, c'est possible, mais tous vos abonnements, par exemple, moi j'avais Amazon Prime en France, et ben j'ai dû négocier pour l'annuler en fait parce que ça se transfère pas au Canada. Sachez-le, hein, c'est toute une galère, donc j'ai dû annuler mon abonnement en France, leur demander via un chat un remboursement partiel parce qu'il était encore bon 6 mois mon abonnement, et pouvoir reprendre celui-ci ici. Et pour l'instant, je crois que j'ai un mois gratuit. Et puis après, bah, je paierai tous les mois parce qu'en fait, prendre à l'année, bah, si vous voulez l'arrêter, c'est pas trop possible. Hein, c'est un peu compliqué. Donc bref, j'ai pris des petites choses pour la cuisine, pour les épices.
On est dans la partie polaire et ils ont fait comme un glaçon. C'est juste dingue. C'est vraiment mouillé, c'est vraiment un glaçon. La deuxième là-bas. Eh, regarde, Oran, regarde. Je vous retrouve aujourd'hui, vous avez vu les vidéos juste avant, on était au Biodôme à côté du grand stade olympique de Montréal. Il y a vraiment toute une zone ici à faire avec le jardin botanique, le Biodôme, etc. Vraiment, il y a plein de choses à faire. Là, on a fait que le Biodôme, mais je pense qu'on prendra un pass exprès pour la famille, pour payer un petit peu, ben, payer moins cher, un pass qui vous fait l'ouverture de tous les trucs ici moins cher. On va voir ça avec Chérie prochainement. Mais je crois que c'est 150$ pour toute la famille, donc ça reste raisonnable, sachant que là, pour le Biodôme, on a payé à peu près 50$ pour la visite, mais ça valait grave le coup, c'était vraiment, vraiment génial. Pour les enfants, c'était parfait au niveau timing, ça a duré une bonne heure, parfait, vraiment parfait, pas trop long, pas trop court, idéal, vraiment canon ce petit Biodôme-là. Voilà, c'était pour vous conseiller cette petite sortie si vous venez à Montréal. On est passé voir HomeSense pour trouver la lampe de Kayla pour sa chambre. Et Doran, si on en trouve une. Et là, finalement, on l'a pas trouvé. On va aller voir au magasin Bouclair. Bah, il y a quelqu'un qui l'a laissé. Mais c'est où? C'est à côté, juste à côté, regarde. Bon, bah, c'est fermé. Ça fermait à 17h. Hello, on vous retrouve dans une nouvelle journée et ce matin, donc on est jeudi, il fait beau aujourd'hui, il fait déjà 26 degrés, il est 10h et on part faire quelques courses à Maxi. Ici c'est Maxi et compagnie, c'est un peu comme Walmart, mais c'est un peu moins cher. Il y a aussi les marques et donc il faut que je fasse 2-3 courses. Ça me saoule de faire les courses clairement parce qu'ici il n'y a pas trop le drive, en tout cas j'ai pas encore... réussi à voir, mais ça n'existe pas le drive comme en France exactement. Il y a les livraisons, tout ça, mais les pick-up, mais pas les drives. Donc bref, on va aller faire 2-3 courses. Notre programme du jour, moi je dois vous filmer une vidéo house tour, donc tour de la maison, histoire de vous faire une petite vidéo vraiment dédiée à ça. Et ce soir, je vais aller chercher mon nouveau bureau. Et ça, je suis trop contente, comme ça je ferai une vidéo après aménagement de mon bureau dès que le container sera arrivé demain. On a hâte avec Kayla. On a la liste, on a le caddie, et maintenant il n'y a plus qu'à. On est dans le rayon fromage, et alors un camembert par exemple français comme ça, ça coûte 10$, donc ça fait quand même 6-7€, hein. Mais bon là on va pas craquer. Et la dernière fois, j'avais acheté un lot de boursins, ça m'avait coûté 10$, donc ça fait cher le fromage quand même, mais c'est vrai que le fromage nous manque un petit peu, surtout à Madame Kayla. Alors, Kayla constate que les bouteilles ici sont plus... Ils sont comment? Grosses. Grosses et dures, on ne veut pas et trop dur, appuyer on dessus. On ne veut même pas appuyer dessus. On vous montre le stock de grosses bouteilles, ici c'est comme ça. On va dans le panier et on va prendre du Canada Dry. Oui, on va prendre du Canada Dry et vous voyez, après tout, c'est des canettes. Alors, ça c'est du Canada Dry. Mais non, ça c'est pas du Canada Dry, c'est plus loin, je pense. C'est quoi, donc... Bon, au Canada, il y a des trucs qui sont chers et le papier de toilette en fait partie. Regardez ça. 20$, il n'y a que 24
rouleau de papier toilette qui vaut soi-disant 48, mais 20 dollars quoi, presque 10 euros. Moi là je suis obligée de prendre, vous voyez mon panier il est quand même chargé, je suis obligée de prendre ce lot là qui a 15 dollars et il y en a 30, soi-disant ça vaut 100. Bon, écoutez, le soi-disant ça vaut 100, j'y crois pas trop, mais c'est le seul où il y en a beaucoup pour pas trop cher si je compare un peu tous les prix. Mais alors si vous voulez, là par exemple il y en a 15 qui vaut 30 et ça c'est 8 dollars, donc c'est pas mal aussi celui-là. À voir ce que je prends. On a fini les courses au bout d'une heure, on en a eu pour 140 dollars, ce qui équivaut à peu près à 100 euros. Ça reste raisonnable pour tout ce qu'on a acheté. Bon, finalement j'ai pris le gros paquet, vous avez vu. Et bah let's go, on va mettre ça dans la voiture, dans le coffre. Et sachez ici que des fois les gens laissent leur caddie un peu partout sur le parking. Pourtant là-bas il y a un truc pour les ranger, mais je sais pas, c'est denrées rares, les gens ne rangent pas les caddies ici. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas nous on va aller le ranger évidemment, habitude française, on va le faire. Mais ils sont pas hyper pratiques, hein. Sauf si vous avez 4 courses à faire, sinon je trouve que c'est pas hyper pratique comme caddie. On a craqué pour le fameux lait en sachet comme ça, on va voir ce que ça donne. Comme en France, vous avez des cartes à collectionner. Donc là on en a eu quelques paquets, la dernière fois on en avait eu 11 paquets. Donc j'ai acheté l'album hier aux enfants pour qu'ils puissent mettre ces cartes là dans l'album. Ouais, comme en France, ça leur fait plaisir. On en avait déjà en France. Ouais, on en avait, ils vont arriver dans le container. Je vous ai pas dit aussi, on a eu 4 dollars de réduction grâce à nos fameuses bouteilles qu'on pouvait mettre à recycler là. On a découvert ça la dernière fois qu'on est venu et on s'est dit que pourquoi pas essayer. Vas-y, on a trouvé le bus scolaire. On va faire notre photo de l'année. Grande nouvelle dans ce vlog, chérie a trouvé du travail, il a eu une offre d'emploi aujourd'hui. Après plusieurs entretiens, il avait fait plusieurs job en fait, plusieurs possibilités. Il a eu 3 entretiens pour une entreprise, il attend des nouvelles. Et là, il a fait un entretien pour une deuxième entreprise hier. Et ils lui ont déjà proposé un poste, donc trop contente. Il a accepté. Donc pour septembre, on aura tous les deux du boulot. Et voilà, vendredi matin, tous nos cartons sont arrivés à destination. Logiquement, on a tout. Il y en a qu'on va mal souffert, hein, mais ma foi, tout a l'air d'être là. On va tout ouvrir maintenant. On est en train de répartir les cartons dans toutes les pièces. J'ai essayé directement de me faire un cappuccino parce que j'ai ramené ma tasse chez Gusto. Mais malheureusement, même si j'ai le truc là comme ça, l'adaptateur, ça ne marche pas parce qu'en fait il y a une différence de voltage entre la machine et le voltage qu'il y a ici. Donc il faut un autre adaptateur spécifique qui va transformer le voltage, mais ça coûte cher. Bon, je savais, mon chéri m'avait prévenu, mais j'ai tenté. J'espère qu'on va pouvoir trouver ce transformateur pour que je puisse me faire enfin un cappuccino. Parce que là j'ai essayé, ça s'allume, mais il n'y a pas de pression en fait pour faire couler l'eau. Donc voilà, voilà. Kayla a retrouvé ses petits jouets. Elle est contente, Kayla? Oui. Ouais, elle est en train de faire la coiffure. Et quelques cartons sont déjà dans sa chambre. On n'a pas encore tout fini de rapatrier dans chaque pièce, mais c'est en cours. Bah, c'est au niveau de ma pièce make-up. Est-ce que tout ça va rentrer là-dedans? Ça, c'est une grande question. On a retrouvé nos couverts, donc ça je les ai achetés chez Action juste avant de partir, ils sont trop beaux, ils ont l'air très quali. Mes ustensiles, tout ça, mon bazar, oui j'ai ramené dans le container du Nutella, ma confiture préférée du monde entier. Et on a ramené des bonbons Haribo et nos épices préférées aussi, ça c'est vraiment nos épices qu'on adore, qui nous rappellent la maman de mon mari. Donc on en a ramené. Et pour celles qui se posent la question,
On va acheter un transformateur cet après-midi pour pouvoir utiliser la Dolce Gusto parce que ça marche pas ici. Et les dosettes, j'ai ramené un carton de dosettes, mais évidemment, il va falloir que je m'en fasse ramener ou envoyer par ma famille. Et sinon, j'en achèterai à Noël. Ça marche! Chérie a ramené un convertisseur qu'il a trouvé sur Marketplace pour 60$. C'est une Française qui repart en France. Et là, je viens de mettre ma dosette de café, hein, c'est bien ça? Et là, café, ça marche. Ça fait tellement plaisir, je vais pouvoir voir mon vrai cappuccino. Mais celui que je préfère à la folie. Je croyais que t'aimais pas trop le café. Bah j'aime pas trop le café, mais j'aime le cappuccino. Celui-ci, my favorite. Oh là là, cette odeur. Samedi, oui, hier, on a passé toute la journée à répartir les cartons, à vérifier déjà si les cartons étaient bien tous arrivés. D'ailleurs, le déménageur, il nous a fait trop rire parce qu'il a dit qu'on avait été des pros du carton, tellement on a hyper bien emballé nos cartons. Honnêtement, il n'y a pas moyen qu'il y ait de la casse ou qu'il soit perdu. Donc déjà, ça, c'est cool. Donc on a tous nos cartons, tout est nickel. On a réparti dans les pièces. Maintenant, bah, faut les ouvrir et les ranger. J'ai déjà fait hier toute la cuisine. Donc là, au niveau de la cuisine, il n'y a plus de carton, logiquement, à ranger. Et mes placards ne sont pas tous remplis. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous avez vu, j'étais trop contente de récupérer ma Dolce Gusto. Et j'ai pris un bon petit déjeuner ce matin. Ça m'a fait trop plaisir. Donc l'objectif, c'est que bah, un petit peu tous les jours, j'ouvre les cartons, que je fasse une pièce par une pièce. J'aimerais bien quand même aller chez Ikea pour aller voir un petit peu deux, trois petites choses. Pour avoir des petits moves de rangement. J'ai plus beaucoup de budget, je vous avoue. Mais on va voir, j'aimerais bien aller zioter. Et puis voilà, ma foi. En tout cas, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Hier, ça a été une journée complètement pluie. Aujourd'hui, on retrouve les grillons, le soleil et tout ça. Donc, d'ailleurs, il y a eu plein d'inondations à Montréal, mais nous, on a eu de la chance, tout va bien. Donc, bah, on va profiter aujourd'hui de cette nouvelle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais la clôturer ici parce que je pense qu'il va être déjà long ce vlog. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager à ceux qui veulent s'expatrier dans le coin. Et à continuer à suivre mes aventures. En tout cas, merci, merci vraiment du fond du cœur. Je me répète pour tous vos messages. J'ai beaucoup de messages sur Instagram, en DM et dans les commentaires. Ça fait juste trop plaisir. Ça me booste, ça motive à vous partager tout ça. Donc, merci. Sur ce, salut !